Monsieur Camara, est-ce que vous connaissez Monsieur Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea? Est-ce que vous le connaissez? Camara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea? Oui, j'étais logé à Dixine, oui, c'est vrai. Vous le connaissez? Camara Abdoulaye? Non. Je connais Ali Bangoura, Ali Soumamba Bangoura. Je parle ouais. Monsieur okay. Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea. Non, pas, je ne le connais pas. Vous le connaissez pas? Non. Si je le vois sans le connaître, je ne parle pas, mais je ne le connais pas. C'est curieux parce que, Monsieur le Président, voici dans la déposition d'un témoin qui déclare ceci. Concernant, à part Tchekburo, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Oui, à la question de savoir, SR, oui, effectivement, à ma présence, Tchekburo avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes, et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Ça aussi, c'est faux. C'est une question? Oui, c'est une question, je vous demande. Non, tu as juste dû, hein. Formuler ça sous forme de question, oui. Je vous demande, est-ce que ces déclarations sont exactes ou non? Si j'ai donné l'ordre, oui? J'ai toujours répondu à cette question que l'ordre, c'est-à-dire le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence. Et là, ce qu'il dit, c'est lui qui peut apporter les preuves. Jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas l'homme qui a donné cet ordre-là. Merci. Le même déclare aussi, il y avait des hommes en civil dans un car qui ont débarqué en face même de mon domicile et s'attaquaient à ma propre personne pensant que j'étais un manifestant. Est-ce que vous, M. Kegourou, avez-vous vu des bus débarquer ce jour des civils au stade? Non, il allait devant sa porte ou bien au stade? Il est devant sa porte. Stade. Non, il faut qu'on sa porte est à côté de stade, quoi. Non, je ne sais pas, je vous demande. Est-ce donc, que vous avez vu des bus débarquer des civils? Je pense que dans ma déclaration de bout en bout, je n'ai jamais parlé de bus débarquer des civils. Si c'est lui qui a dit, heureusement, il n'a pas dit de moi, hein, il n'a pas dit que j'étais avec lui. Donc, il vaut mieux lui demander à ce qu'il apporte des précisions. Seulement que, Monsieur le Président, ce témoin déclare que vous l'avez appelé. Ce témoin déclare que vous l'avez appelé, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur le Président. Il déclare ceci. Avant le 28 septembre, on a suivi à la radio qu'il n'y avait pas de manifestation. Le 28 septembre à 8 heures, j'étais chez l'imam de mon quartier pour le baptême d'un de mes enfants. Sur les lieux, nous avons constaté l'arrivée de beaucoup de personnes sur le stade. Dans la foulée, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes et les éclats sont tombés sur le cou d'un enfant de 9 ans qui était devant leur porte. Science tenante, l'imam m'avait désigné pour accompagner cet enfant à l'hôpital. Le temps pour moi de prendre l'enfant, j'ai été appelé par le commandant Tchekburo Camara. C'est pour dire quoi? Non, mais attendez. Continuez. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce Abdoulaye Camara? Mais je vous dis d'abord que ce Abdoulaye, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Si je l'ai connu, ce n'est pas sous son nom, parce que je suis dans le quartier Duxine, et vous oubliez que Duxine est
Non, moi, je suis satisfait si vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas fini, monsieur le procureur. Dixine et ce quartier sont côte à côte. Et ce qu'il vient de dire, ça ne relève pas de moi. Et je ne l'ai pas appelé. Si vous pouvez le notifier. Je l'ai appelé comment? Par téléphone? Oui, mais le témoin, il vous viendra. Non, on va appeler quelqu'un comme ça, monsieur le procureur, viens. Donc, je conduis, monsieur le président, pour terminer. Vous êtes allé, il dit, il me proposa de remettre cet enfant à un autre et qu'il y avait urgentement besoin de moi. À mon arrivée auprès de lui, il me proposa de dissuader les gens pour ne pas qu'ils viennent vers le stade pensant que tout ceci venait de mon quartier. C'est grave. Tu sais pourquoi? Ce qui m'a irrité, jusqu'à le président m'a dit de me calmer. Je suis calme, j'ai un officier supérieur. Mais franchement, si à ce niveau, si les gens, les Guinéens peuvent se mentir comme ça, les uns sur les autres, dans le but de ternir l'image, et pourquoi même pas tuer quelqu'un? Parce que déjà. Pour terminer, monsieur le président. Non, je n'ai pas fini. Il n'est pas satisfait. Parce que franchement, j'ai horreur aux mensonges. Il déclare, je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchèkbro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Ça aussi c'est faux. Qu'il apporte les preuves, ce qui est sûr et certain, la coordination n'était pas de mon ressort. Ce qui est sûr et certain, je vous ai expliqué comment je roule. Mais maintenant, ici comme ailleurs, quel que soit le mouvement, je suis avec un seul chauffeur et avec un seul garde-corps. Vous pouvez demander à n'importe qui. Pour le moment, donc voilà. Je finis avec monsieur. Je vous remercie.